Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs méthodes pour construire des cercles à l'aide du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra. Alors, nous allons choisir la première méthode. Pour ce faire, nous choisissons de sélectionner la sixième icône en partant de la gauche. On clique sur la petite flèche et nous avons un menu déroulant. Et nous voyons ici quatre méthodes pour construire des cercles. Donc la première méthode. La première méthode nécessite un centre et un point. Donc ici, il s'agit du centre. Puis en fait, nous voyons que à l'aide de la souris, nous pouvons choisir le rayon et donc ainsi le deuxième point. Donc ça, c'est la méthode 1 en l'absence de points. Si on efface tous les objets, comme ceci, il suffit de placer un point ici et d'en placer un autre là, et nous avons par cette méthode le choix du centre, puis du point par lequel va passer ce cercle. Donc ceci est la même méthode avec des points déjà existants. Donc on efface ceci pour revenir à la seconde méthode. Seconde méthode, en choisissant un centre et un rayon. Donc on place un point ici, on nous demande de choisir un rayon. Donc par exemple, un rayon de longueur 2. Mais avec cette option, il y a la possibilité de créer un rayon variable. Donc par exemple ici, en choisissant un curseur qui va varier entre la valeur 1 et 5 par pas de 0,1. De cette façon-ci, je peux créer un autre cercle. Donc, je vais effacer celui-ci. Je garde par contre le nombre. Je déplace ce point A. Et je choisis donc un cercle avec un centre n'importe où. Et le rayon comme étant ma variable. Ainsi, lorsque je vais déplacer mon curseur, le rayon de mon cercle va augmenter ou diminuer. De plus, étant donné que je peux animer mon curseur, je peux créer un effet dynamique, c'est-à-dire d'un mouvement de mon cercle, avec ici la touche pause ou play pour relancer ou arrêter la figure. Donc voici pour la deuxième méthode. Passons à la troisième méthode. La troisième méthode, il s'agit de définir un cercle par rapport à un rayon, mais cette fois un rayon soit existant, soit que nous allons créer. Pour ce faire, puisque nous n'avons rien sur notre figure, nous créons ce segment. Ce segment va être la longueur du rayon, mais le cercle peut être ailleurs, peut être ici par exemple. L'intérêt, c'est lorsque, par exemple, si nous avons fait une figure comme ceci, au hasard, et que nous souhaitons créer un cercle de rayon exactement la longueur de ce côté, mais pas forcément à cet endroit. Vous voyez l'utilité. Je vais à nouveau effacer mes objets, comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous avons affaire à la quatrième méthode. C'est un cercle passant par trois points. Donc au passage, c'est une façon également très rapide d'obtenir le cercle circonscrit à un triangle, puisqu'en effet, ces trois points, n'étant pas alignés, ils constituent nécessairement un triangle. Vous savez à présent comment construire un cercle par quatre façons différentes.